Et salut la Pour une Véolée, et fois. bienvenue sur le deuxième épisode de la rediff de ce live du mardi. N'hésitez pas à passer le mardi, voir les épisodes en live, avant qu'ils paraissent en VOD. Et on est toujours avec Xebus. Rebonsoir Xebus. Hello tout le monde. Rebonsoir. Et Soren qui récupère, on trinque avec On Xebus. trinque, ok. Il donne raison à Je tes trinque, viewers. pas de soucis. Ah ok, il y a un garde qui est apparu au fond. La porte s'est pas ouverte, il est juste apparu. Waouh, ça va être chaud, hein. Personne génère de la glace, ça c'est dommage. Je peux en générer. Tu peux en générer? Je peux générer de la glace. Bah, si tu peux générer de la glace pour le tour prochain, ou non, même tu joues. Je peux jouer Vas-y. très Si tu vite peux et générer générer la de la glace. glace. Ouais, très vite. Je joue très très lentement donc. Bah Ça mon devrait attaque de aller. glace elle est très rapide donc. Bon bah, parfait. Et par contre après qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Le seul truc intéressant que j'ai c'est ça, mais ça me fait chier de cramer une carte. Ce que je pourrais faire c'est venir ici. Il va falloir que je m'écarte là, sinon je vais prendre trop cher. Ouais, on va faire ça. Ensuite toi. Ouais. Bordel. Et encore le mec est à 9 derrière Okidou. nous quoi. Comment on va gérer ça? Oh, c'est chaud. T'es donc bourré. Ah, mon C est plein, d'accord, ok. Salut Grom, comment ça Ah oui, ton va? C est plein, putain, oui, effectivement. Il y Oh, t'es a. sale, Squash! T'es sale! Pas besoin de ça, ça Est-ce qu'il y serait a bien. intérêt de jouer seul à Gloomhaven? Je pense que oui. T'as moyen de t'amuser, vraiment. Moi, Ouais, j'ai toujours tout fait à le. plusieurs et j'ai beaucoup de plaisir à y jouer à plusieurs. Mais seul, ça. Si t'aimes les défis, tu peux y aller, hein. Fais-toi plaisir. Puis Ok, bon, on va faire le. ça. Mine de rien, le. Pas la campagne, mais l'autre là, le truc de Ça y Guildmaster, est, je suis mort. il est assez sympa seul. Oh, mais il joue tellement vite, mais pourquoi? Bouclier plus attaque, J'ai même déplacement 1. pas le temps de sortir. Oh la vache. Ouf! Putain, par contre, ton Il rat, vénère tu le lui donnes rat quoi à quoi! manger? C'est clair, tu lui donnes quoi à La manger? vache! Vas-y, dis-moi, parce que, putain, il pose Waouh! là. Bon, est-ce que je peux attaquer d'ici? Immobiliser quelqu'un, parce que c'est bien utile. Peut-être un archer, ils se déplacent, ils ont 3 de portée, donc de toute façon ils sont à portée. Te déplace pas trop loin, par contre. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu prévois quelque chose peut-être? Ouais, sur ton raton, donc tu te déplaces pas trop loin. Ok, bah je pensais à la base, je pensais aller sur la caisse qu'il a prise, histoire de ramasser un petit peu de thunes, mais je vais aller dans le, je vais garder le thème du coup. Je vais peut-être immobiliser, ouais non ça sert à rien, il joue avant Poslo. Poslo il va se faire dépouiller. T'as pas Waouh. moyen de. Ouais, non, t'as pas de stun. Oh, putain, il est Poslo là, le pauvre. Ah, il va se faire défoncer Poslo. Attaque à 4, le. J'attaque pas à On en 4 hein. parle ou. Il attaque à 4, l'inox d'élite, le chaman. What? Oh putain! Bah écoute Au vu Bon. des ennemis inox, il faudrait de l'acide chlorhydrique. Merci, Squash. Oh là là, mais squash, mais faut que. Ah mais non, mais pourquoi Regarde, Squash, à cause de x0? toi, il a eu un x0. C'est parce que Ouais. t'as fait une mauvaise blague, le karma l'a puni. C'est Exactement. pas beau de faire ça, Squash. Franchement, c'est pas cool. Ça T'es te trop va loin. ici? Reviens d'une case. Une case ici? Ah mais y a pas d'or ici. Je m'en fous. Je m'en fous. Là n'est pas la discussion. Allez, c'est parti, on va prendre Bagdad. Hop là. Là. Salut Wadkajou, comment vas-tu? T'es votre cajou. Ah, le rat en fait il pioche que les bénédictions donc ça va quoi. Tiens, bah, t'as bien fait de lui mettre une malédiction, hein, mon petit Poslo. Ça aura payé. Bien, 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 bien. Après, pratique là, la petite attaque faible quand même. Par contre, les pièges, ça casse un peu les 1. Attaque empoisonnée, par contre, c'est un peu fourbe. Hein.
Et voilà, les Français ne s'assument pas. C'est toujours de la faute de l'étranger. Rien ne change dans le pays de la grève. Je vois. Je veux dire, dans le pays de la productivité, parce que c'est vrai qu'on fait grève de façon abusive, mais on garde une bonne productivité. Donc on a appris à compenser. Et ça, c'est important. Bon, de toute façon, on va crever, là. Enfin, je vais encaisser une deuxième attaque, faire que je recrame une carte. Ouais, vu que tu joues plus vite que moi, c'est toi qui vas prendre. Oh! Toi, trouve-toi un gouvernement avant de nous critiquer. C'est beau. Nice! Il est en vie! Alors, du coup... Je m'écarte. Est-ce que j'étourdis? Tu pourrais étourdir peut-être le fumier au fond, là. Mitiger l'attaque à 4, ça serait pas mal, hein. Attends, tu étourdis à 1, 2, 3... Si t'étourdis le chaman inox, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est ce que je pensais. Par contre, faut que je m'approche, je suis trop loin. Avec 2 de mouvement, je peux m'approcher assez. Je peux venir y aller. Ouais, autrement, tu joues la sécurité, tu joues plutôt derrière. Mais je peux pas le stun, du coup. Non, je me prendrai l'attaque à 4. Au pire, je cramerai une carte, c'est pas grave. Après, je peux quand même en stunant, histoire de, quoi... Au moins derrière là. Compenser. Il y a des. Ouais. Il y a des blessés au ventre, ça veut dire des blessés, je suppose. Oh putain. Eh, c'est ouf tous les fois 0 que je tire par contre. Hein. Oh là là. Quel enfer. Alors. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que lui on le tue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser le Juggernaut, donc le rouleau compresseur en bas. Donc on a 3 invulnérabilités. C'est pas oufissime, mais bon, c'est toujours ça de prix. Le contexte, c'est plutôt utile, ouais. On vous frappe, on confirme la cible, on va le repousser en arrière. Oh, bon bah, on va pas le pousser en arrière. C'est les baies, hein. Tu les sens les baies ou pas? Tu sens la puissance des baies. Les baies vertes. Les baies vertes, mon ami. Mettre fin autour de la brute. On va prendre une petite attaque à 5. Qu'on encaisse dans le Juggernaut. T'étais pas censé pas prendre de dégâts? Ou c'est que au corps à corps? Ouais, j'ai ah oui, pas non, pris tu, dégâts, peux tu peux choisir, oui d'accord. Tu peux choisir de cramer ton Juggernaut, mais c'est pas obligatoire. Ok, t'as le droit de récupérer 2 cartes défaussées. Ah, c'est gentil. Est-ce qu'on n'invoquerait pas un rat supplémentaire? Exact, mais honnêtement, gouvernement ou pas, on n'a pas vu la différence. Et c'est vrai. Mais ça, c'est clair. Hein. Est-ce que si toi, hasard, Oui, dis-moi. T'aurais besoin de glace encore? Non, pas spécialement. Bon, je vais récupérer ça, alors. Merci bien. Si t'enlèves les conducteurs de camions d'un pays, l'économie s'effondre, t'enlèves le gouvernement, il se passe rien. Voilà. C'est un peu tendancieux ça, monsieur Xebus. Tendancieux, c'est prouvé en fait, mais donc je vois pas où est la tendance. Je vois vraiment pas où est la tendance. Mais c'est pas grave. Alors, on va faire un petit repos long. Alors on va faire un repos bigadin. Donc si jamais vous avez problème avec les repos, bigadin est devenu à passer un DUT en repos gloomavenien. Je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que tu te moques de lui. Alors, on pourrait éventuellement se pointer et pousser l'ennemi. Ce serait une possibilité. Voilà, on le tape, on le repousse. J'ai la même sensation. Étourdissement de zone, ce serait bien un petit étourdissement de zone 3 de portée. Il faut que je me re-rapproche du coup. Quelque chose me dit que c'est quand même une idée de merde. Ça pas aussi catégorique. Bon, on va lancer un petit soin sur les copains, sinon je sens que ça va râler. Et on va... Écoute, Poslo tient sa réputation de porteur de fléau. Hein. Un point de vie et empoisonnement, et il résiste. Ah mais il joue tellement okay, vite hein. Putain. Attaque avec une petite immobilisation des familles. C'est moi qui vais prendre
Bon, l'avantage c'est que il y a personne de blessé, donc à la rigueur, ça sert à rien. Ah bien, cool alors. Bim. Ça aussi c'est cool. Ça aussi c'est vraiment cool. Ouais, le rat par contre il pioche bien, faut avouer. Et toi par contre, bon bah je pioche le reste, voilà. Ah bah moi je pioche les zéros qui restent du coup, et je pense qu'on est à peu près d'accord. Ah mais tu peux avoir deux rats en même temps, c'est bon ça. Ouais, je peux avoir un rat géant, mais j'hésite à les pousser. Comment on ping déjà, je sais plus. Le celui à 9 là sur le piège. Lui là. Ouais, j'y vais, je le pousse sur le piège. Bon c'est dommage, Poslo va jouer trop vite, je comptais faire un étourdissement de zone, mais il va jouer trop tard. Quoique, il y en a un qui reste. L'étourdissement, ça persiste jusqu'au tour suivant. Hein. Ouais, puis vu qu'il y en a un qui est déjà étourdi, ouais, ça peut être utile quand même. Bah, du coup, je vais faire ça, tiens, je vais le repousser. Et en plus, il sera étourdi au tour d'après, ça serait cadeau. Allez hop. Ah oui, je me prenais pour ton bricoleur, je me disais, mais pourquoi je bouge comme ça? Mais oui, non, mais c'est pas normal. Je suis absolument pas là où je pensais. Du coup, j'ai besoin que deux de déplacement. Ouais. Ouais, on lui met tout ce qu'on a dans la tronche, hein, pas de problème. Le petit moins 1, parce qu'après tout, hein, il pourquoi le mérite, s'emmerder comme tout le monde. Putain, tu peux le mettre pour faire prendre deux pièges, c'est bon ça? Non, je peux pas, c'est ce que je regardais, mais à moins que je peux choisir des... Ah, je peux choisir des... Oh, c'est bon, c'est très très bon. C'est carrément très très bon. Ça c'est gratifiant, ça c'est gratifiant quand tu t'arrives à faire ça. Devrait mettre un perso en focus sur les archers, mais ouais, mais Poslo est en focus sur les archers, tu vas voir. Il fait 0 dégâts, mais il focus les archers. Mais laissez mon rat, il est complètement inutile, il ne fait rien. C'est lui, ouais, qui a le plus de DPS depuis le début de la partie, clair, je crois. C'est clair, le rat c'est le du genre, c'est le lapin de Monty Python. Mais ce n'est qu'un rat. C'est ça quoi. Charmey. J'ai presque envie de plutôt stun cela du coup. Parce que l'autre derrière, le Gardinox, il est trop loin. C'est quoi qui nous fait un petit cours sur la structure politique de la Belgique. Parfait. Eh bien. On est bien. Allez, c'est parti. Nice. On crame les jumelles, on les stun tous. Et de déplacement du coup bah... Ouais. Te mets pas en danger, t'as qu'un point de vie hein. Je me rapproche, on sait jamais. Mais y'a de l'argent. Non t'as raison, je vais rester derrière. Mais l'argent, Zébus, mais l'argent, t'es... Zébus, l'argent, t'es trop, merde. Ouais, bah, je sais, ouais, l'argent c'est important. Même si je meurs, je garde l'argent. Ouais, soigne-toi toi parce que... Ouais, je vais essayer de me remettre après mon soin en tanking. Enfin, je me... Ah voilà pourquoi tu voulais pas que je ramasse l'argent, parce que tu voulais pour toi, juste à deux de distance. Regardez comme il est veule. En plus le pauvre Poslo là, il est tout petit, il commence juste, il a même pas de quoi mettre des bagues sur ses tentacules là. Ouais, Soren, ça continue d'apparaître au fond, mais ça va, c'est des gardes, donc ils sont quand même très lents. Ça aurait été des archers. Putain, ça le force brute, ça me fait chier de le... Y'a tout qui m'emmerde, là. Allez, on va faire ça. Alors, bon, Poslo, faut qu'il dorme. Pas le choix. Ici, on a quoi? Je tente le trample. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'arrive ici. Bam! Je casse des... voilà. Je casse des cheboux, comme on dit dans le jargon. Ça c'est pas ouf, ça me plaît pas trop. Il y en a encore un qui est apparu, c'est toujours un garde. Ouais. Ouais, éventuellement... ce que je fais... Ça c'est pas mal quand même. Hein. On est bon. Je fais quoi, je me déplace, je recule. Ouais, le grid, exactement, squash. Mais ça, c'est une thématique récurrente après. Quel est le plus vénal des deux? Bah, on nous dit, faut pas discuter stratégie et tout. Donc, ah putain, mais pourquoi la riposte? Mais non. Ouais, la riposte, ça va me faire trop mal. Là. Ah non, c'est bon, je vais en shooter qu'un seul.
Franchement, c'est vraiment pas cool. Hein. Ça va être de shooter celui-là. Si tous les adversaires adjacents. Placement 2 soit 1. Alors est-ce qu'il... Non, il est stun, il est pas désarmé, donc il devrait pas. Et il se met bénédiction en plus, le chaman. Mais c'est vraiment à fumer. Hein. Oh, je vais essayer de le tuer. Écoute, tu joues juste avant moi, donc j'aviserai sur l'état du champ de bataille une fois que tu auras joué. Pas mal. Très très propre. Okay, ça déblaye. Ça déblaye. La riposte me sert à rien au final, donc on va plutôt frapper à deux. Potentiellement on peut le tuer. Voilà, yes. Parfait. Lui il dégage. Ça c'est beau. Et ce qu'on va se permettre, je pense, c'est rien du tout. Hop, 3 pièces d'or. Ce qu'on va se permettre, c'est de ramasser 3 pièces d'or. Eh oui. Et il était immobilisé, mon pauvre petit raton. C'est terrible. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? 3 de mouvement et une attaque. 1, 2, 3. Et j'attaque à 1. Ouais. Sinon je change mon amplification, mais c'est non, ça je peux pas arriver au contact de toute façon, non, bah je suis obligé de faire ça. Allez, un petit peu de bol, yes. Puis bah ça, on va rien faire du coup. Si, on pourrait se rapprocher pour la suite. C'est quand même con de perdre du mouvement. Allez, on va se rapprocher pour la suite. Oh, excusez-moi, qu'est-ce que... Oh putain, y'a plus grand monde là. T'as fait des trucs. J'ai fini celui qui était devant toi, ouais. Le début, c'est que t'économes avare, avaricieux, chien, fesse Mathieu, grigou, gripsou, harpagon, ladre, mesquin, parcimonieux, pain, grappia, rail, regardant. Quoi? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se raconte? Quoi? La violence d'un homme. La violence d'un homme, oh, mon putain. Dieu. Ouais, mais c'est dommage. Bah ouais, oui, je veux bien, ramasser l'argent. T'avais prévu un truc de zone, mais... C'est pas grave, on ramasse l'argent. Hop là. Ah, elle est pas mal son attaque à deux, enfin le... Petite attaque de taser. Ouais, ouais, l'animation est sympa. J'ai Jarkoï pour le level up. Exactement, il le mérite. Ouais, je pensais pas... Voilà. Ouais, mais ouais, ouais, ça prend par surprise. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que t'as un soin? Il a pas du tout de soin en fait, Poslo. C'est un peu gênant. Donc là, on est rendu à la moitié de la mission. On est tous morts quasiment. Ouais, ouais, c'est tendu. Hein. Ça, j'ai envie de le garder. Oh là là. Ah non, ça on est obligé de le garder, ça on est obligé de le garder. C'est quoi la différence entre ça et ça? Attaque 3, portée 3, malédiction. Attaque 3, portée 3, malédiction. Ouais. Et puis on va sacrifier le pillage. Parce que je suis comme ça moi, je sacrifie l'argent pour le bien du groupe. C'est parce que je n'ai pas été là pour vous conseiller. Oui, l'œil. Ça doit être probablement pour ça. Alors, est-ce que je charge avec mon 1 PV pour aller mettre de l'empoisonnement de zone? Merci Squash pour l'abonnement offert à l'œil. Ça, l'œil pourra nous conseiller de beaucoup plus souvent que l'on le souhaiterait réellement. Si je joue tard, ça peut se faire. Ouais, peut-être attendre qu'il s'approche. Prendre un déplacement 4 et ça, je pense. Ça m'emmerde un peu. Par contre, ah, en fait, non, on peut se permettre de jouer vite. Putain, on a plus de cartes. Ouais, on va jouer lentement. Le manque de cartes est terrible. Ah, ouais, c'est.
ça picote un peu. Bon, l'objectif... damage. Excuse-moi, j'ai craqué. À quoi elle joue, Amawa? Non, elle ne joue pas, elle est un peu malade ce soir. Et... Ah, elle est en pleine hallucination, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. La vache. Ah ouais, tu pètes les dents à celui qui critique. C'est pas cool. Hein. Bah écoute, je relance d'une galette au caramel. Ok, et le signe relance d'une galette au caramel pour se faire pardonner. Ils disent rien, ils disent rien. Ah, t'es chaud de cramer des PV comme ça, toi, hein? Genre, il te reste 2 PV, boum boum, allez hop, paf, je retire une carte, j'en crame un, quoi. Ok, LM, quoi. Alors, on va perdre Zebus. Non, 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 ça va le faire, ça va le faire. Normalement, si tout se passe bien, ouais, j'ai le temps de me barrer. Il se déplace de 1. Emotional damage. C'est pas ouf, mais... Ah. Un petit soin à 4 de groupe, ça fait plaisir. Bah, 1. Oslo qui remonte. Par contre, ouais. Hein, le. Tu l'as, tu te le gardes, quoi. Hein. Parfait. Non, il va se prendre une attaque. Bon. Et du coup, vu que t'as libéré la place, il devrait pouvoir aller taper normalement. Sauf si tu vas avec lui. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est ça plutôt, on l'attaque, on confirme les cibles. Oh bien. Quoi, c'est quoi ce 1 de bouclier là? C'est dans mes modifieurs que j'ai pris. Ah oui, ok. Ah propre. Okay, là ça claque. Bien joué. Ouais, très propre. On va jouer sur... on va pas jouer sur du shield en plus, je pense pas que ce soit nécessaire. Elle se déplace que de 1, on va se déplacer de 2 nous, on va se rapprocher un peu. Moi je te préviens, je vais essayer de me rapprocher, les empoisonner et les immobiliser. Hein. On confirme l'action. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaîne et crochet, on va essayer de jouer sur le terrain dangereux, pourquoi pas. Non, on va prendre la riposte, la riposte. On va se mettre, on va se faire un petit coup de riposte pour le plaisir. Quoique. Emotional damage. Si, force brute, œil pour œil, ça va aller très bien ensemble, on aura un petit shield en plus, parfait. J'ai mon salut Flo, bienvenue sur le live. Et bah écoute, si tu es toujours avec Damned, tu peux lui passer le bonsoir aussi. Et oui, je reste allemand. La forêt noire, c'est vraiment allemand? Oui, peut-être. Est-ce qu'on grid comme un gros sac? Oui. On grid comme un gros sac. Ça, c'est bon, ça. Surtout qu'elle s'avance que d'une case pour frapper à 4. Tu vas te faire pulvériser. Mais non. Pourquoi? Tu comptes les tuer avec ton attaque à 1? Je comptais les immobiliser, mais j'ai déjà cramé mon filet, il semblerait. Non, je crois que le filet, c'est sur les attaques à cible unique. Ah, peut-être. Pendant, il a votre attaque à distance. Ah oui. C'est pas grave, de toute façon, j'avais plus de cartes. Mon cher. Emotional damage! Bim! non, j'avoue que là c'est l'échec de ma part. Aminu, get the flamethrower! Aïe aïe aïe, ça pique. J'avoue, t'as été un peu brutal là sur ton. L'immobilisation était bien pensée. Ah ouais, non, mais j'étais persuadé de la caler et c'est l'échec là. C'est carrément l'échec là. je me suis foiré, on peut dire les choses. Manque de maîtrise du jeu, c'est le foirage. Dommage que le rat il ramasse pas les. Les ouais, c'est exactement ce que je me disais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah écoute, Flo, ça va pas trop mal, et toi? Ça s'est bien passé sur DRG, là, les ventes lunaires? Bon, on va pas acheter ça parce que je pense que il va falloir qu'on invoque un rat pour remplacer Poslo. Ce sera toujours mieux que rien.
Ils vont pas remettre de piège, hein. Eh oui, je suis stoïque, Squash. Je ne dis rien, je fais. Allez. Et le signe aussi, et il meurt. Oh, est-ce que t'as l'impression que je suis mort? Franchement. Non, c'est vrai, ça, c'est vrai. Tu t'en sors bien, tu t'en sors bien. Et pour œil. Alors. Putain, vache, va falloir aller loin. On va essayer de sortir Poslo du cul des ronces, ça prête pas mal. Hein. Écoute, je vais m'éloigner et leur mettre une attaque, donc. Et après, je serai mort parce qu'il va falloir que je me repose et j'ai pas assez de cartes, donc c'est ma dernière action de toute façon. Ok. Ok. Donc je vais jouer vite, reculer. Ah putain, mauvais combo, mauvais combo. Ouf. Mauvais combo si je fais ça en fait. Le but c'est pas de les immobiliser. Ça. C'est pas de les immobiliser, non, non, non. Alors. Non. Ça vaut le coup, je te soigne Poslo ou pas du tout? Non, non, il va crever. Il me reste 3 cartes plus une défaussée, donc là je vais en jouer 2. Prochain tour, il faudra que je me repose et il me restera qu'une carte, donc il est fini Poslo. C'est terminé pour lui. Il va reculer, Capri. Soigner le rat, mettre une attaque. C'est et puis, fini! Par contre, il y a moyen que on fasse un truc. Ça, c'est à 3 de portée. Vous dites rien. Ouais, de signe mourir, quoi de plus normal? Attends, j'ai fait exprès de pas le mettre dans ma bande de Battle Brother là pour qu'il y ait moins de morts et ça a bien marché. Hein. Oh là là! Flo qui récupère, on trinque. Allez, on trinque. Et apparemment, Flo a une question pour toi, Xebus. J'aurais peut-être une réponse. Dis-moi, est-ce que j'ai sorti dans l'ordre mon premier épisode de Battle Bros, c'est ça? Ils font quoi? Déplacement 2, attaque 3. Ouais, bah alors. Celui qui est devant considérera que tous ses potes sont ses ennemis pour ce tour. Cool, c'est déjà ça. Ça va nous économiser une petite attaque à 3. Ah, je peux pas invoquer Lara sur. Sur des pièces d'or. C'était un signe. Facile. Ah, effectivement, apparemment, il semblerait que c'était bien la question de Flo. Je suis bon, hein. les petits cons. Dixie Gigi Goldman, exactement. Et là, tu vois, je peux mettre... Là, c'est une attaque à 2 cibles. Mais je peux mettre ouais, le mais filet. Deux mono-cibles. Ouais, c'est pas pareil, c'est une attaque de zone. Hein. Eh ben tu vois, je connaissais pas la subtilité. Non, mets pas le filet. Je le mets pas, mais je connaissais pas la subtilité, c'est ce qui causera ma perte, du coup. Sur ce coup-là. Oh! Belle! Ok, j'ai tiré un empoisonnement, bon. Non, mais bien, pourquoi bien, pas. Bien. Et on va aller soigner le raton. Il suffira. Après tout, il a été plus efficace mérite. Que Poslo. C'est non, clair. C'est pas vrai. Poslo, c'est quand même plutôt bien démerdé, vu comment je le connais. Ouais, absolument le perso. Poison, c'est vraiment, ça a vraiment beaucoup de value. Quoi. Ouais. Non, là, il a fait le taf, là. Il se déplace de 2. Ouais, donc... celui qui est devant va t'appeler ses potes, lui, il va venir me finir. Mais ouais, les autres, ils ont moyen de venir te voir. Bah bonne nuit Flo, content que tu aies eu la réponse à ta question, enfin, si on peut dire. Bonne nuit Flo. C'est Bim. Bien, là, des bonnes patates de forain là. Par contre, est-ce que... Non, ils vont pas se taper, ils vont pas lui taper dessus. Ça passe. Ah oui, c'est vrai que le rat a une super initiative, ouais, du coup. Exact. Ouf. Ok, ok, cool, cool, cool. Ah, c'est vrai que j'ai le Juggernaut qui est actif, j'avais oublié. Je pensais utiliser plutôt l'armure de peau sur les petits dégâts. C'est dommage qu'on puisse pas choisir de Juggernaut ou peau. Bon, lui va mourir, c'est l'avantage. Ah non, j'ai encore le Juggernaut. Bon, bah écoute, Juggernaut, voilà. Pas se plaindre, hein. Eh, on est quand même à 12 sur 20, c'est honnête, c'est honnête. C'est même bien honnête. Ouais. Par contre, on va perdre du DPS là. Enfin, on va perdre Poslo. Alors là, en fait, si je le souhaite, je peux faire un pillage à 2.
et je me blinde de thunes. C'est vrai que c'est rentable. Est-ce que je fais ça ou c'est abusé? Je me rends pas bien compte. Bah après t'as quoi, 3 de portée, ça veut dire que tu sacrifies ton attaque après. Est-ce que c'est... D'un point de vue strictement groupe, c'est un peu con, mais je comprends tout à fait l'envie, hein, y a pas de... Attends, il y a combien par taille? Il y a 3 pièces d'or, j'en récupère 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, non, là c'est je récupère la teuf. 15 pièces d'or en or. Ah non, je confirme, c'est la teuf. Hein. Non, mais vas-y, fais-le. De toute façon, attends, 1, 2, 6, je peux frapper celui-là, je peux essayer de buter le... Non, ce serait mieux que ce soit le rat qui le bute, celui-là. De toute façon, je pense qu'on la rentrera pas, là. On n'a pas le but. Tu crois qu'on la rentre pas? Ah, il faut, ah ouais, il en reste quoi? Il en reste 4. Ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait encore 4 qui apparaissent. On peut pas ouvrir une porte autrement? Ah, on peut ouvrir une porte et espérer que ça soit pas trop de drame 4. Derrière. Mais ouais. Mais on peut ouvrir une porte. Bon, Squash, Bubox sont à peu près d'accord avec, avec ce que je viens de dire. Voilà. Allez, non, on va jouer la partie. On va jouer le. Si j'ai ici, je peux frapper celui-là. Non, en fait, ça vaut même pas le coup. Le rat va s'en occuper très très bien, en fait. Le rat, normalement, il fait pas tant de dégâts que ça. Hein. Il fait que 2. Hein. Il a tiré des bonnes cartes, mais techniquement, il fait que 2. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah putain, bon, ok. Le signe m'a convaincu. Non, faut pas déconner, hein, je ramasse quand même ça. Oui, bah non. Mais d'accord, il y a des limites, quand même. Allez, un petit plus 1, s'il vous plaît. Ah, bah, dommage. Bon, le rat aura une chance de le tuer. Yep. Poslo, il a moyen de jouer, d'ouvrir une porte ou pas? Non, Poslo, il va crever, je pense, ce tour-là, si j'ai bien compté. Malheureusement. Radin Kopek. Là, ouais, il me reste une seule carte. Ah, mais attends, si, ouais, non, ils sont défaussés. Si, il y a peut-être moyen. Et tu vas nous ouvrir la porte en haut, là, là. Celle-là? Est-ce que j'ai du move? Ouais, je fais un. Repos court, je récupère 4 de déplacement. Et je vais ouvrir la porte, ouais, ça se fait. T'as moyen de générer de la glace ce tour-ci ou non, pas trop? Attends, j'ai quoi d'autre comme carte avec lui? Je peux pas, donc ouais, donc je crame ça. Ah, par contre, je joue pas vite, hein, je te préviens. Ah, c'est dommage en fait de. Non, t'es pas aussi, remarque, fais-le ce tour-ci, je ferai au tour prochain, c'est pas grave. Bah, je peux ne pas ouvrir la porte, hein. Si, si, ouvre la porte par contre. Mais juste, je pourrais te faire récupérer 2 cartes défaussées, donc fais un tour avec, avec ton raton et au tour prochain, j'essaie de te faire récupérer 2 cartes défaussées. Ok. Histoire d'augmenter ta durée de vie. Ok, ok. Ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déplacement soin sur soi-même, on s'en fout. Un petit pillage 2? Le gros fourbe. Tu remarqueras que j'ai dit que tu pouvais le faire, hein. C'était viewer qu'on dit de pas le faire. En plus, il est déjà pété de thunes, malice. Là. On peut forcer quelqu'un à faire une attaque, ouais, pourquoi pas, mais c'est pas ouf. Ça, c'est du corps à corps, faut que je me déplace. Ah, mais j'ai du saut là, ça, c'est pas mal ça. Et je désarme. On peut même pas faire un critique, au moins le fric c'est tangible. Ouais, du coup faut pas que je brûle des cartes. C'est le moment d'ajouter des ennemis dans la mêlée. Je veux dire, j'ai déjà fait des erreurs dans ma vie et celle-là elle me semble quand même assez flagrante. Ouais, surtout le moment de ramasser les ducats. Oui. Ok. Allez, c'était pour l'XP, on va voir la porte. Et ben, ils sont 2 et c'est des chamans. 2 chamans qui vont soigner, putain. Oh, ils se déplacent que 2, ça tu va. Tu l'es. Reste sur la porte pour pas qu'ils puissent passer. Ouais, je me dis, je veux bien les tuer, hein, y a pas de problème, mais... Par contre, c'est vrai qu'il était censé y avoir des coffres, hein. Dans cette, c'est vrai, dans il cette censé avoir un petit coffre. Bon, je vais faire mon tour de bricoleur et je vais aller voir Neda, je vais revenir juste après. Et aussi un truc caché d'ailleurs.
Vas-y, je te laisse la main. Hop. On va... Attends. Ok, on est bon. Oh, pas mal. Très très joli même. Ça, ça dégage. On va bien jusqu'ici, on confirme le déplacement. Et je vais laisser la main aux adversaires. Ah non! Ah là là! C'est dramatique. Bon, il va falloir attendre que Xebus revienne pour la suite. Ah, c'est le moment où je pleure, c'est ça? Allez, c'est parti. Ça va, tu t'es pris une attaque pas trop violente. Hein, et ils ont tué le rat par contre, mais bon. Oh merde. Ah, il y a le deuxième, putain, ils ont autant de mouvements. Xebus, on va le chier sur le chaman. Toutou versus Chatman. Ok. Bon, les deux de gauche, je pense que je peux les gérer avec mon duo. Moi, je vais aller chercher les chamans alors. Honnête. Par contre, ouais, non, j'ai pas assez de mouvement pour aller les chercher en fait. Ça, c'est à portée. Non, je suis trop loin. Ah, je suis à portée avec ça. Ouais, bah, ça me sert pas à grand chose, faudrait que j'avance. Bah soit j'avance de ton côté, je t'aide. Puis on attend que les chamans y se rapprochent. Il y a des gardes qui vont arriver ici, donc si tu veux te placer pour que les gardes qui sortent, tu sois capable de les cueillir, ça va être une idée. Oh, squash. C'est sale. Ça m'embête de pas taper quoi. Enfin non, ouais. C'est pas sale. Ça me fait rire. Je perds un petit peu de DPS si je tape pas quoi. Mais ouais, je peux me placer... Je peux me placer là. Je vais me placer sur la thune. Pour être un petit peu à distance quand même. Après, le truc qui peut être pas mal avec ton. Que tu essayes de voir, vu que tu commences à avoir pas mal d'invocations, c'est de prendre aussi les trucs qui permettent de déplacer tes invoques de façon active. Tu sais, rapprocher le rat, ce genre de choses. C'est vrai que je crois que j'ai un truc, une prise de contrôle mental là qui permet de forcer un déplacement et ça marche sur les alliés, je crois. Exactement, Bubox, c'est ça qu'il voulait dire, c'est tout à fait ça qu'il voulait dire. Oula. On me prête des propos. Non, c'est Squash qui a dit Xebus et Mawa sont adeptes du doggy style. Ah. C'est certain. Ah, la vie privée des streamers reste la vie privée des streamers. Est-ce que je vire ça ou je vire ça? Je pense que ça est plus intéressant à enlever. Je vais plus avoir beaucoup de tours. Ouais, faut qu'on en tue encore 5. Il y en a 5 sur le champ de bataille, mais. Ah, il y en a 5 sur le champ de bataille, ça c'est cool. Ouais, bah sauf que bon, il va falloir les descendre maintenant. Déplacement 4. 1, 2, 3, 4. Je peux aller taper les chamans. Pour prochain, on fera. Si je crame ça. T'as dit que tu pouvais éventuellement me rendre 2 cartes? 1, 2, oui. Faut que tu joues avant moi et que tu restes à une portée de 2. Non, c'est moi, je vais faire différemment. Ouais, ok, je pensais charger les chamans, mais je peux peut-être faire autrement du coup. Je peux t'en rendre 2 si tu me génères de la glace. Sinon, c'est qu'une. Yes, faut que je génère de la glace. Bon, je vais cramer une carte, générer de la glace, je vais en désarmer un du coup. Et après. Je vais me rapprocher. On va se paquer. Moi je vais mettre en mode tank riposte avec la brute. Donc ah, tu me génères de la glace ou pas? Ouais, je te génère de la glace, ouais. Rapidement ou pas? Ouais, rapidement. En 11. Ah cool. Ouf, oui. Ouais, j'ai donné l'info. Ouf, c'est chaud. Oui, t'as donné l'info. On a triché là. Pff, putain, je me sens mal. C'est tendu. On coupera au montage. Là on est bon. Mais non. C'est pas possible. Ils ont le droit de faire ça. Je crois qu'ils avaient pas le droit de faire ça. Ah ouais, non mais je suis d'accord. Un peu abusé. Putain, ton rat il va se faire démonter là. Bah non, pourquoi? Il est gentil.
Ah, portée 3, putain, oui, déplacement de 1, portée 3, j'avais pas vu. Ah, il va se faire démonter, écoute. Hein. Il va se faire démonter. Bah, je vais sauver la mise en... En désarmement 1. En désarmement 1. Allez, bim, voilà. Ok. Écoute, hein. Je te juge pas, promis. Ça vaut pas le coup qu'on fasse de la merde, nous. Non, tiens, c'est marrant, juste à la base, il jouait avant toi et maintenant il joue après toi. Normalement, on joue toujours avant quand ils sont on a la même initiative. Bouclier 1, riposte 2. Ouais, mais ça sert à rien en plus, c'est. Ils vont pas t'attaquer quoi. Ouais, non, la riposte ça sert vraiment à rien, mais je me pose la question de claquer encore une carte. Ah oui, l'attaque 4 là. Ouais, je vais pas la claquer. Je vais avoir de la survie. Non, tu peux soigner un peu et mettre une attaque à deux, c'est toujours ça quoi. C'est ça. Hein. Non. Bon. C'est pas grave. L'idée est bonne quand même, je veux dire. Voilà, il y avait la tentative, on peut pas dire. Ça vaut pas le coup de faire de la merde normale, on en a déjà jusqu'au cou. Ouais, là j'avoue que c'est un peu tendu. Hein. Ouais, c'est un peu tendu. GG Grom pour le level up. Avec de la chance, ils peuvent peut-être louper son attaque et ton rat survie. Il frappe qu'à 3. Hein. Si ton rat survie, il va nous apporter un petit plus 3 de DPS au tour prochain. Ouais, c'est ce que j'espère, mais ce que j'ai peur, c'est qu'il tape avant que les cons aient perdu leur riposte là. À la fin du tour, la riposte elle disparaît. Hein. Ah, elle disparaît à la fin du tour. Je savais pas si c'était au début de son prochain tour, je m'en souvenais plus. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fumé ou quoi? Ouais, j'ai fumé. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? Ça. Ils frappent qu'à 3. Bah, ils sont 2, non? Je comprends pas. Ça et. Merci, on va s'occuper de 4 de déplacement, 1, 2, 3, 4, ah c'est trop loin, putain, ah ouais mais j'ai des bottes. Du coup plutôt ça, ouais, allez, ça va être chaud, hein. Franchement ça va être tendu. Enfin je fasse un repos court avec ma bricoleuse, il me faut cette carte que je crame pour rien là, histoire que la brute ait encore quelques tours. Il était désarmé, il a bloqué son pote. Merci. Ah yes! Ah bon ça! C'est bon, c'est ça. Bon ça! C'est très très bon! Du coup, je vais me faire les chamans. Ouais. Ouais. Pourquoi pas? C'est un petit peu trop abusé hein. Si je fais ça, je fais 2. Ouais, pas tant que ça. 2 et beaucoup. Je peux me glisser là. Ok, donc là en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer ces deux cartes là. On les défausse pas. Et là, on va faire le repos court. Bon, je vais arrêter cet épisode de VOD là. Et on va faire un dernier épisode pour la fin de ce combat. Comme ça, ça fait pas du tout cliffhanger. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah on se dit à tout de suite pour la suite. Allez, ciao ciao la VOD. Je sais que Soren veut dire au revoir à la VOD. Mais j'ai quand même un gros délai avec la 4G, je pense. Bon, tant pis, je coupe là. Allez, pour récupérer.